voilà, les travaux sont arrêtés depuis beaucoup d'années même. Mmh. Ces travaux-là, à chaque fois, on a remarqué à chaque fois, quand on attend que le chef du car, là on revoit les engins revenir un peu draguer et tout ça, mais chaque fois en bas comme si ils reprenaient les travaux. Et après là, ils disparaissent. Effectivement, je pense oui que l'arrêt de ces travaux-là représente un danger pour la ville, vu que l'eau ne fait que prendre de plus en plus du terrain. Et je pense que les autorités devraient remettre les travaux en cours pour pouvoir protéger la ville de cette eau-là. Vu que moi, ça fait trois ans. Parce qu'à un moment, ils ont commencé avec les travaux, ils ont subitement aussi arrêté. Et sinon, c'est un danger parce qu'au fur et à mesure, au fur du temps, la mer va totalement se retrouver à l'intérieur de... Soit la mer va se retrouver directement au niveau de la route. C'est très, très dangereux. C'est un danger réel, potentiel. C'est un danger. Parce que, voyez-vous, avec l'avancée de la mer, c'est la route qui risque d'être attaquée, en fait, avec l'érosion. Voilà, donc forcément, c'est un danger pour l'environnement, pour la ville, en fait. Mais que les autorités qui ont commencé un si beau travail continuent, pourquoi ne pas l'achever? On ne comprend pas pourquoi les travaux ont été arrêtés alors que c'était déjà bien lancé. Qu'ils essaient de reprendre les travaux pour qu'au moins on n'arrive pas à la catastrophe. Parce que voyez-vous, si on continue comme ça, mais ce sont les eaux qui vont arriver jusqu'au niveau de la route et on peut avoir la route complètement barrée. Et c'est vraiment pas bien pour l'environnement.